tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Cette semaine, j'ai beaucoup envie de vous filmer un peu différents événements en fait qui vont arriver. Et je pense que ça va vraiment être une très bonne semaine. Des choses qui vont être plutôt cool. Je vous en dis pas plus, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Mais vraiment, allez, j'étais motivée pour un petit weekly vlog là, c'est parti. Je voulais commencer hier. Hier, on était samedi et finalement, vraiment, j'ai profité de la journée. J'ai juste un peu filmé quelques petites choses, mais enfin, je suis allée prendre le thé. Du coup, j'ai des amis, on a fait un super goûter et tout. C'était trop sympa. Et ensuite, j'ai rejoint d'autres copines. On a fait un super resto libanais. La nourriture libanaise, c'est tellement bon. À la fin, j'avais plus de ventre. Franchement, autant vous dire que là, ce midi, j'ai fait un truc assez soft. Et comme on est dimanche et que ça se fait le dimanche, je pense que je vais vraiment faire un masque, des soins, des choses, parce que là, ma peau, rien ne va plus. J'ai l'air fatiguée, je vous dis pas. Donc, allez, c'est parti. Ok, ça fait tellement du bien de se sentir un peu plus fraîche que tout à l'heure. Et mine de rien, je trouve que ça impacte le moral, la manière dont on est. Je sais que quand je reste en pyjama, j'ai beaucoup moins envie, je sais pas, j'ai moins de motivation, des choses comme ça. Et là, ben, je suis plus fraîche, j'ai fait vite fait mes petits soins, un petit rouge à lèvres. Et bah là j'ai vraiment plus envie de sortir maintenant, je suis plus déter que si j'étais restée en pyjama. Donc je pense que je vais aller faire une petite marche et je reviendrai à la maison pour continuer ma petite routine du dimanche. Bon, ça y est, je suis sortie du ciné et c'était trop cool. J'ai regardé Doctor Strange, le numéro 2. Et franchement, j'adore Marvel, j'adore le super-héros. Donc c'était un bon moment, 2 heures tranquille au ciné. Hello, aujourd'hui on est lundi et j'ai atterri dans un café à l'Indiana pour travailler un petit peu parce que chez moi je commence un peu à m'endormir et c'est vrai que ça me fait du bien de travailler dans un café. Donc je vais faire de la planification, de la programmation des postes et c'est trop cool parce que je me sers de Facebook Creator et il suffit juste de créer une page à Facebook à son compte Instagram, de les associer ensemble, d'avoir un compte Instagram professionnel et ensuite on peut passer par Creator du coup pour programmer tout ça. Donc je vais faire ça aujourd'hui tranquillement. Voilà un peu à quoi ressemble la plateforme. Donc c'est Creator Studio et là vous voyez quelques posts que j'ai programmés pour mes comptes. Et vous pouvez ajouter autant de comptes que vous voulez. Donc là j'ai mon compte Allegra et mon compte La Flaque Alex. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Allegra Agency, c'est l'agence que je viens de lancer. Donc n'hésitez pas à aller apporter du soutien, à vous abonner si ça pourrait intéresser vos amis, d'avoir l'aide d'une community manager. Peace. Et voilà. Regardez ce qui vient d'arriver. Là c'est vraiment le chétan, ça me donnait trop envie, c'est l'heure du goûter. Donc on va travailler tranquillement avec sa gaufre au chocolat. Aujourd'hui, on est mardi et aujourd'hui je vais aller à un concert. C'est le premier concert que je fais depuis 2 ans. Je m'en souviens encore. Le dernier, ça a été en février 2020, je crois, pour aller voir les Jonas Brothers. Et ce soir, je vais aller regarder les 5 Seconds of Summer. Je suis trop contente. Donc là, je rentre rapidement à la maison pour me rafraîchir un peu. Me faire peut-être quelques boucles devant et repartir vite fait parce que c'est pas à côté. J'espère que je vais pas me choper le Covid.
Vous allez savoir pourquoi. Vendredi aujourd'hui et je vais aller chez le coiffeur pour me faire une petite mise en beauté là parce que mes cheveux ne ressemblent à rien. Enfin, j'ai l'impression que les pointes sont déjà abîmées et tout, donc j'aimerais bien me les faire couper un petit peu et apporter un peu plus de fraîcheur, travailler un peu plus le dégradé. Donc voilà, je vous emmène avec moi, c'est parti. Rideau. Franchement, je kiffe trop. Je kiffe trop la longueur et tout. Trop contente, je réalise pas du tout, mais je suis sur le point de partir très loin et j'ai plus les mots. Mais bon, je vais quand même vous le dire, c'est bon, calme-toi Alexandra. Je vais aller à la Réunion. Bon, vous ne le savez peut-être pas, mais je suis réunionnaise. Je suis née là-bas. J'y ai vécu jusqu'à mes 6-7 ans et maintenant je vais retourner sur mon île pour la première fois en 20 ans. Ça me fait trop bizarre de le dire et là le vol est dans quelques heures et j'arrive toujours pas à le croire. Et bon, j'ai pas envie de m'étaler sur les raisons qui font que j'y retourne que 20 ans après. Mais ça me fait trop bizarre, j'ai grandi du coup en écoutant mes parents parler créole, je connais très bien la culture réunionnaise avec mes parents, j'ai souvent de la famille de la Réunion qui vient nous voir en métropole, mais ça y est, c'est moi. Maintenant, en tant que femme, je vais revoir mon île, je vais poser le pied sur mon île et je suis trop excitée et je suis un peu stressée, c'est bizarre de dire ça. Stressée, mais excitée. Et ça me tient aussi tellement à cœur. Je suis trop contente. Et je vais faire toute une série de vlogs là-bas. Donc franchement, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Je suis tellement contente de reprendre des vlogs voyage.